Ça va lui plaire ? Mais bien sûr, il va trouver ça hyper délire. Hein. Salut Gérard. Salut Gérard. Bah il est où ? Bah il est où ? Il est pas là ? Il est pas là. Qu'est-ce qu'il vous prend tous les deux là ? C'est nous, on fait l'écho. Mais oui, comme ça on a l'impression que la loge elle est immense. Bah oui, comme ça on a l'impression que la loge est immense. Ah, c'est bien, pas con. Oui, moi je suis à Canal avec les nuls. Salut Gérard. Ah, salut. Ça va bien ? Alors oui, je suis désolé, j'arrive. Ça tombe très mal, j'ai un boulot. Ah, ouais. Boulot de merde. J'ai un boulot, boulot de merde. Ouais, alors, oui, bah, qu'est-ce que tu fais, oui ? Moi je peux rien te dire, on mixe demain. Mixe demain ? Oui, bah tu trouves un bruiteur. C'est fou, elle est immense loge là. Ça ouais, ok. J'appelle Xavier, oui. Ça tombe mal. Je suis ravi de faire l'émission, mais je suis débordé. Là. Et nous, boulot, on est boulot. C'est vrai. Je commence un film dans 3 semaines, j'ai 2 pubs à mixer. C'est la merde. Pierre, vous m'avez donné un texte, là, ça arrivera jamais, là. Regardez ça. Ça, c'est pas une broche qu'on va se planter, hein. Mais non, mais ça, tu sais, on peut... Xavier, oui. T'as trouvé un bruiteur hein? Oh, putain. Bah, je sais pas des bruiteurs. Hein, bon, voilà. Ouais. Ok. Ok, non. Et puis, trouve-moi le costume aussi. Trouve-moi un costume, oui, le mien planté, oui. Eh, hey, t'aimes bien les costumes? T'aimes bien? Faut que ça passe à Noël, l'émission, là. Mais non, Gérard, mais non, mais c'est Scout. Pino. Ah, ta gueule, Scout. Ah, d'accord. C'est pas vrai, ça. C'est bien, non? Oui. Tu me trouves un costume? Ah oui, tu sais. C'est oui. Ok. Allez, donc, je t'avais un costume. Je l'avais mis au pressing. Mon panache, la manif est passée, la teinture est explosée. Ah, je suis en caleçon. Ça fait bien. Moi, je peux te prêter des fringues si tu veux. Ah, moi aussi, si tu veux. Non, ça va. Bon, on va te trouver un truc. Gérard, sur le monologue, qu'est-ce qu'il faudrait, c'est que... Eh ben, bazar les cyclables. Qu'est-ce que je te dis? Hein? Bon, je vais voir si le fax est arrivé. Attends, je suis désolé, mais bon, je suis ravi de la faire. Mais... À tout de suite, alors. C'est quand même sympa de s'être libéré avec Béren qui l'a moitié. Comment on les traite quand même bien nos invités, hein. Allez, on y va. Allez, on y va. 3, du pavillon Gabriel, 9 avenue Gabriel, 75008 Paris, en public, les nuls, l'émission numéro 6, avec pour vous accompagner tout au long de cette soirée, l'hyperactif, le débordé, l'overbooké, Gérard, la régie, est-ce que Gérard peut m'entendre? Gérard, vous êtes dans la mauvaise direction, l'entente, celle est de l'autre côté. Oh là là, c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'il fout? Madame, arrêtez cet homme! C'est Gérard Jugnot, il tente de s'échapper! Gérard Jugnot se trompe de direction. C'est la voix off qui vous parle. Nous assistons en ce moment même à un formidable moment de direct live. Gérard est virtuellement en train de se perdre sous nos yeux. Et nous restons là impuissants à le regarder courir. Il se trouve avenue Gabriel. L'avenue Gabriel, superbe artère, au cœur de la ville lumière. La circulation y est impossible du fait de la préparation du sommet des chefs d'État. Gérard Jugnot arrive maintenant devant la porte du studio Gabriel. Les vigiles vont-ils le laisser entrer? Non, il n'a pas son invite. Non, Gérard, ne téléphonez pas. Essayez de rentrer. Gérard, faites quelque chose. Oui, il rentre, enfin. Le groupe n'en peut plus de jouer. Il joue comme des fous depuis 3 minutes. Gérard n'a pas eu malheureusement le temps matériel de récupérer son costume, mais il arrive. Il se dirige vers l'escalier. Oui. Il descend maintenant les escaliers. Non, il se trompe de porte encore une fois. Gérard, allez-y maintenant. Descendez l'escalier. Ne téléphonez pas, Gérard. Descendez l'escalier.
Le voilà, mesdames et messieurs, applaudissez très fort, Gérard Jugnot. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Merci, excusez-moi. Oui, monsieur. Excusez-moi. J'ai mis tout le monde à la bourre, alors... J'ai mis tout le monde à la bourre, on se dépêche. Alors, l'invité musical, ce sera Jean-Louis Aubert, dont d'ailleurs j'ai été... J'ai d'ailleurs été le pion au lycée Pasteur à Neuilly, mais ça c'est une autre histoire, j'ai pas le temps, je vais le raconter un autre jour. On est ensemble pour 52 minutes, il est 22h10 et 33 secondes, ça c'est pour dire qu'on est en direct live. C'est en fait en 22h10 pour ceux qui sont en direct, parce que ceux qui enregistrent, ceux qui le verront demain, ce sera pas 22h10. Donc on est en direct live, regardez, aïe, je me suis fait mal, ça prouve qu'on est en direct. Allez, à tout à l'heure, au revoir, bonsoir, bonne soirée. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, ne quitte pas, ne quitte pas, entrez, je vous en prie, entrez, asseyez-vous, oui, je te rappelle, bien sûr, 2000, je t'embrasse, ciao. Bien. Bonjour, dépêchez-vous parce que j'ai pas beaucoup de temps à vous consacrer, alors allez-y. Bon ben, je m'appelle Thierry et mon rêve c'est de faire de la radio, quoi. Oula. Bon, je le sens, depuis que je suis tout petit, je le sens vraiment, je fais pas mal de trucs, en plus je trouve radio super, vraiment super, quoi. Oula. Et puis, je le vois bien, quoi, bon, radio super avec Super Thierry. Oula. Et bon, sinon, je fais pas mal de trucs. J'ai fait de la disco mobile, j'ai fait des animations dans les boîtes. Vous avez déjà fait de la radio ? Non. Écoutez, Thierry, comment voulez-vous que je vous prenne dans ma radio alors que vous n'êtes jamais passé sur une autre radio ? Oula. Dès maintenant, la France se prépare pour 93 par une sélection rigoureuse. Oula ! Dehors l'angoisse, changement de décor. À toi, ma cuisine chérie. Dans ma cuisine, je suis si bien. Et c'est bien. Si bien. Cuisine m'emballe pas. Vraiment pas. Des milliards de grains de brûlés. Des tonnes de viande découpée. Des centaines de presque poussins torturés à mort. Et des légumes mutilés. Pourquoi ? Pourquoi tant de haine ? Pour que ce massacre s'arrête enfin, arrêtez de manger. C'était un message du collectif Grainerie Thibonneuf Carotte. SPA, Société Protectrice des Aliments. Moon. Oui. Ce soir, t'as pas envie de... De quoi ? Eh ben, tu vois ce que je veux dire ? Non. Mais si... Non. Enfin ! Hein ? Quoi ? Hein ? Non, ce soir, je peux pas. T'as mal à la tête encore ou quoi ? Mais non, j'ai mes ragnoutes. C'est quoi ? Mes ragnoutes ! Les Anglais ont débarqué. Encore ? Mais ça fait 30 ans que les Anglais débarquent, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Tu leur fais une aide au rapatriement ou quoi ? C'est tellement drôle que j'ai oublié de rire. Bonne nuit. Ouais, c'est ça, bonne nuit. Ouais. Moi, je vais continuer mes travaux sur la recherche nucléaire. Tiens, voilà ce que je vais faire, ça va me calmer. Albert, élevé au Ragnagna. Ça bouge pas.
Je suis pas le mort. Et toi, le petit gros, là, avec les baranes sous le nez, là, viens un peu ici. Sans bouger ! Faites gaffe, chef, il a des tonis aux pieds. Qu'est-ce que tu fais avec des tonis autour de tes pieds, toi ? Oh, c'est pour aller plus vite, hein. Des tonis pour aller plus vite que les balles du commissaire Pingouin ? Ouais, les balles. Les balles, merde, les balles. Ouais, mais... Alors... Pousse pas, toi ! Il faut se dire qu'une poignée d'abeilles font plus qu'un sac de mouches. Ouais. Qui c'est qui a eu cette connerie là? C'est un proverbe arabe. Comment ça nous fait chier cela? Il a une tête d'un télévisuel lui. Attention Castor, c'est un délit de sale gosse. Ouais peut-être, mais moi je trouve qu'il a une tronche à avoir fait des études. Oh, style polyclinique, tu vois. On dirait qu'il sort tout droit de l'Etna lui. Ouais enfin tout ça, ça nous dit pas à qu'est-ce que vous faites ici? Bon, rien. Regardez, chef, ils font des graffitures sur les murs. Mais excusez-moi, c'est pas des graffitures, c'est des tags. Des tags. Ouais, des tags. Notez ça, Castor, des tags, ils font des tags. Comment ça s'écrit? T-A-G-S, T-A-G-S. T-A-G-S, comme tag. La voiture. Tag. Mais de toute façon, on fait rien de mal. On bombe les murs avec des bombes Vittel pour justement pas faire, pour pas salir, quoi. Bah ouais. Tu vois ça, toi? Hein? Ah. Ok, je vous arrête quand même. Pour humidification d'un mur, sans vouloir l'avoir mouillé. Oh l'autre non, ça c'est pas un motif d'arrestation, ça. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il c'est fout pas la un mère, motif d'arrestation? T'es vraiment comme ta mère, toi. Ah, attends, André, hein. On a dit qu'on mêlait pas les gosses, hein. Mais il m'embrouille, je t'endouille. Oui, mais papa, si tu veux devenir policier, faut faire un effort, quoi. Ouais, et en plus, c'est pas de notre faute si t'as paumé ton boulot de concierge aussi. Alors, ouais. Là, les enfants, vous moquez pas de votre père. Vous savez très bien que si l'immeuble a pris feu, c'est parce que j'ai nettoyé la chaudière avec de l'essence. Ouais, je suis déçu. Hein? Ah ouais. Allez, viens, on va. Je suis déçu, vraiment. Je suis déçu. Bon, les enfants, j'ai pas fait trop de fautes de français, là. Non, vas-y, démarre, papa, démarre. Ciao. Ah, mais je peux pas. Je peux pas, y a plus de matrice. De batterie, papa. De batterie, pas matrice. De matrice, ouais, batterie. Ben c'est la faute à votre mère, elle laisse toujours les grignotants allumés. Les clignotants, papa, les clignotants, on dit. Bah oui, bah. Bon, ah, bah, je serai jamais policier, bah, je suis déçu, là. Bon, allez, poussez. Et puis, au lieu de me faire chier, faites du bruit, comme ça, pour prévenir les voisins qu'on arrive. Je suis très malin. La banane, une histoire d'amour. Hé, hey Jean-Marie, t'as pas vu Junio? L'acteur? Bah oui, Junio l'acteur. Non. Qu'est-ce que tu fous là, Jean-Marie? Ce matin, je me disais éventuellement. Si, comme c'est la loge à Junio, si on voit Junio et qu'on voit mon livre, bref de compta, ça fait une pub. Ça Non. Alain est formel, pas de pub pour les bouquins, et je suis tout à fait d'accord avec lui. Pas de pub pour les bouquins, c'est non, Jean-Marie. Non, pas de pub pour les bouquins. Non, Jean-Marie, c'est non. Pas de pub pour les bouquins. Non, Jean-Marie, non, non. Alors là, elle est pas cool cette émission, mais alors pas cool, hein.
vous l'avez aimé dans Elephant Man. Vous l'aimerez dans Elephant Woman. Je ne suis pas un homme humain. Je ne suis pas un homme. Je suis une femme. Sorti quand c'est fini. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Avant de passer à la suite de nos programmes, je dois vous lire un petit communiqué. Si vous voulez participer aux éliminatoires de Décéder, c'est gagné, je vous rappelle que vous devez être mort au minimum. Envoyez vos certificats de décès à, ou présentez-vous en tant que cadavre à Décéder, c'est gagné, 15 rue de l'Arrivée, 75-014 Paris. Pour l'heure, c'est le moment de suivre le premier titre en direct live de Jean-Louis Aubert & Co. Ça s'appelle « Juste une illusion ». Excellente soirée à vous tous. Quoi, est-ce que t'as trouvé un bruteur? T'as trouvé un bruteur? Non, parce qu'il faut que tu trouves un bruteur. Oui. Thank you.
Et alors, et s'il en montre un ou deux des livres pendant l'émission, et puis il dit « Acheter les brettes de comptoir de Jean-Marie Gourieux, tome 3 », ça coûte rien, et puis bon, ça me fait plaisir, quoi. Non, Goubou, non, en plus, j'aimerais bien être tranquille au cabinet, mais... Bon, alors, on laisse tomber Jean-Marie Gourieux, et puis il dit juste « Acheter les brettes de comptoir, tome 3 ». Non ? Chantal, dis-lui, Alain. Oh, écoute, Goubou, si Alain a dit non, c'est non. Et en plus, j'aimerais bien être tranquille au cabinet. Dominique ! Si Alain et Chantal ont dit non, c'est non. Eh, par contre, si tu peux en passer un sous la porte... Y'a plus de papier. Putain, elle est pas cool, cette émission, mais alors pas cool, hein. Chômeur, vous vous levez le matin sans savoir quoi faire, sans savoir où aller. Tu l'as dit, oui. Et machinalement, vous regardez la télévision, habité par une mauvaise conscience persistante. Ça commence à devenir insultant. Réagissez. Utilisez vie passive. Avec vie passive, vous pourrez dire... Oh, c'est génial, je pue. C'est comme si j'avais bossé toute la journée. Le matin, partez du bon geste, faites le geste vie passive. Et le soir, vous pourrez dire... Je fais pas la bouffe ce soir, je suis crevé, j'ai bossé toute la journée. Tout de suite, l'édition, le journal de l'émission, présenté ce soir par Pénélope Solette et Maurice Chevalier. Bonsoir. Le président des États-Unis, George Bush, continue d'envoyer des troupes dans le Golfe, Pénélope. Alors cela augure-t-il d'une guerre proche ? Non. Non, bon, ben voilà qui rassurera bon nombre de téléspectateurs. Comment savez-vous cela, Pénélope ? Je le sais, c'est tout. Bien. 7 jours en revue, on commence par le dimanche. Dimanche, le record du monde de saut de mouton ne sera pas battu. Personne n'a voulu essayer. À Haut-Carbourg, on a enfin coffré. Regardez, on a enfin coffré les deux crétins qui ne savent pas s'habiller. Bien fait, la justice triomphe. Enfin, un sondage, un homme sur trois est une lampe. Lundi, les lycéens sont allés cafeter chez Mitterrand qui les a reçus dans la cour de récré de l'Élysée. Après avoir longuement écouté leurs revendications, le président leur a déclaré « Voilà, c'est même pas moi, c'est mon gouvernement. » Les manifs lycéennes, c'est aussi les casseurs. Alors, un conseil à nos amis casseurs. En serrant bien les lèvres et en faisant vibrer ses dents, en prononçant le nom d'Olivier Stirn, on arrive à faire péter les vitres. Stirn ! Merci, Pénélope. Vous pouvez aller chez CEA, c'est ouvert. Il est vrai qu'entre la police et les étudiants, il a fait tampon Jox. Et pour éviter une recrudescence de violence dans les lycées, il a été décidé de couper la bite à tous ceux qui agiront contre le bien commun. Moi, c'est dur comme réforme, tout ça, non ? Non, vous savez, c'est sévère, mais juste, et ne dit-on pas, qui aime bien coupe bien la bite ? Hein ? Alors. C'est vrai, Maurice. Merci. Mardi. Mardi, qui a pété ? Une bonne nouvelle, une fois n'est pas coutume, une bonne nouvelle pour les personnes âgées. Les chercheurs ont l'espoir de réussir à prolonger la vie jusqu'à 8 heures du soir, ce qui fait la soupe à 7 heures. Oui, formidable espoir, Maurice, quand on sait qu'il n'y a pas si longtemps, l'espérance de vie n'était que de 7 heures moins le quart, ce qui faisait la soupe à 5 heures et demie. Eh oui. Une autre bonne nouvelle, Pénélope. Oui, Maurice, une super bonne nouvelle pour ceux qui ont la mauvaise haleine des fesses. En effet, un laboratoire pharmaceutique vient de lancer un suppositoire à la chlorophylle à mâcher avec le derrière. Ah, donc, Pénélope, c'est quand même formidable, ça, pour tous les senteurs de fesses. On marque une pause. Quoi ? Beaucoup de choses. Salut. Si c'est important, Richie, c'est important. Mais oui. Je me mène la conversation. Tu peux redire le truc que t'as dit, là ? Quel truc ? Important, c'est important, là. Si c'est important, c'est important, man. Tu sais ce que c'est, ça ? Ça, c'est une brette de comptoir. Tu connais le bouquin ?
Rêve de comptoir, tome 3. Good. C'est mon bouquin que j'écris, moi. Tu peux en parler ? Bravo. Écoute, dans Juste une illusion, ça aurait peut-être été possible. Il y avait un petit trou, mais là, ça après, va être très dur dans le sociaux. C'est après. Et les nuls qui sont des potes, archipotes, ils n'en parlent pas de ton parler. Ça aurait été volontiers, man. Je sais, boss. Je sais, boss. Bien sûr, je sais, bien sûr. 3 minutes, la chanson. Ça aurait été volontiers, mais là, ça va être dur. C'est pour toi, là. C'est pour toi. C'est pour toi. Ouais. Goriot, arrête de faire chier la terre entière avec ton bouquin. Si tu continues, je te pète la gueule. Ok ? Elle est pas cool, hein, cette édition. Pas cool. Suite de l'édition, nous passons au mercredi. Mercredi, Kojak ne fume toujours pas et ça lui réussit finalement. Le surf au bord de la Manche, c'est quand même moins glamour qu'à Miami Beach, mais bon. Révolutionnaire, le préservatif pour tout l'appareil génital, même les couilles. Jeudi, vous l'avez peut-être vu, magnifique exploit de Maria Piera Foreskaya au championnat de gymnastique. Revoyons peut-être ces images tout à fait superbes. Regardez donc, c'était jeudi. La voici, Maria Piera Foreskaya, 4 médailles d'or. Elle est roumaine, elle n'a que 17 ans et regardez. Regardez à 17 ans comment elle tortille son petit cul. Non mais regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Non mais regarde-moi cette petite pute là. Non mais c'est. Hey. Non mais regarde, non mais hey. Quand même son trou fignon qui m'agite sous le nez là quand même. Il y a un moment. Hey. C'est une grosse cochonne quand même. Maurice. Non mais écoutez, qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle attend? Qu'est-ce qu'elle attend Maurice, de moi? Maurice, tenez-vous, il y a du monde. Non mais regardez-moi ça. Regardez, elle rentre le ventre, les jambes, les trucs, les machins. Petite pute, Maurice. Bourse remontée de la couche sur le marché d'échange. Merci Maurice. Vendredi. Vendredi, les manifestations de lycéens encore et toujours se sont multipliées un petit peu partout en France. Oui Maurice, effectivement. Ils étaient 10 000 à Toulouse et à Brest, 6 000 à Quimper, 4 000 à Reims, 2 000 à Paris et à Troyes. D'autres manifestations ont eu lieu à Marseille, Nancy, à Lille, à Saint-Nazaire, à Nantes, à Dijon, à Bourg-en-Bresse, Pénélope, à Dole, Pénélope, à combien de fois je vous ai dit de ne pas lire le journal pendant l'émission, que c'était mal poli? Combien de fois? Deux fois. Combien 200 fois. 200 fois. Samedi. Samedi, et en bref, la repousse des cheveux est maintenant possible en se pinçant le nez, en soufflant très fort. En bref, toujours le tiercé de pute à Boulogne. Voici la sélection des entraîneurs. Maggie reste longue à la détente, surtout si le terrain est lourd, mais bonne en fin de parcours. Quant à la grosse Germaine, bien drivée, elle peut mener son homme au poteau d'arrivée sans problème. Voilà. Merci Pénélope. Pour finir, l'image de la semaine. Eh bien oui, l'image de la semaine, Maurice, c'est celle-ci. Vous le constatez, le gouvernement chinois recrute ses ministres de plus en plus jeunes, de vrais gamins. Merci Pénélope. Autre chose? Non, sinon, rappelez que nous essayons de faire notre métier de journaliste le plus consciencieusement du monde. Que ce n'est pas un métier, c'est plutôt un sacerdoce. C'est tellement bon de rire parfois aussi. Prochaine édition, prochaine émission, bonsoir. Bonsoir. Madame, vous avez 17 ans et déjà vous pensez aux effets que le temps va faire subir à votre peau. Vous avez raison. Les gels biposomes bioactifs de l'encréal superactivé s'attaquent à la fibre même de la moindre tentative de dessèchement des cellules de la peau. L'encréal superactivé régénérant retarde les effets du temps. L'encréal, on ne s'y prend jamais assez tôt. Un instant, êtes-vous sûr de votre appareil dentaire ? L'encréal, on va vous pourrir la vie. À Tokyo, a vaincu Godzilla. À New York, a vaincu à King Kong. Mais le monde, vaincra-t-il un T-Rex Sona ? Ce monstre est bourré de CFC. On va
24 heures, il peut faire à la Terre 1000 fois plus de dégâts à la couche d'ozone que nous-mêmes, on en a mis 15 ans à le faire. Ce n'est pas très français comme phrase. Je sais, MacPherson. Si vous ne croyez pas que je ne le suis pas au courant. À Tirexona, le frais géant qui venait du futur. MacPherson, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas qu'en détruisant la couche d'ozone à cette allure, Tirexona va supprimer notre seule protection contre les rayons ultraviolets du soleil et par là même nous faire transpirer plus et rendre donc sa présence en tant que déodorant indispensable et donc maître du monde. Je ne comprends pas ce que vous dites. Vous faites trop des fautes de français. À Tirexona, la terreur à son paroxysme. L'homme est-il allé trop loin dans sa conquête à du progrès? Tirexona va lui faire livrer son plus grand combat. Vous êtes fou, Verstein! Ce n'est pas parce que ultimatum est masculin qu'on dit un espèce d'ultimatum. Une espèce, Verstein! Une espèce d'ultimatum! MacPherson, il vaut mieux sentir sous les bras que d'avoir un cancer de la peau. À Tirexona, le spray géant qui venait du futur! Qu'avoir un cancer de la peau, pas que d'avoir. Tirexona, votre prochain spectacle. Tirexona. Bonjour. Ah, bonjour, monsieur Bronzy. Ça, c'est marrant, là, vraiment. Je disais, justement, il n'y a personne dans mon bistrot et vous arrivez. Ça, c'est pas une coïncidence. J'ai la bite en caoutchouc. Mais nous avons tous la bite en caoutchouc. Non, sans blague. Ouais. Mais je ne plaisante pas du tout. C'est même une bite qui a été peinte par les gens qui nous fabriquent la bite. Oh, ben, dis donc, monsieur Bronzy. Une bite en mousse. Ah, c'est pas banal, ça. Bon, qu'est-ce que je vous sers? Eh ben, parlons de mousse. Je veux bien une mousse. Ah, bah il faut que je descende à la cave parce que j'en ai plus là. Allez-y, oh, allez-y, pendant ce temps-là. Je tricote. Oh, comme dit mon beau-frère, c'est plus facile de descendre à la cave que de monter sur un éléphant. Allez, dis ça, votre beau-frère. Oui, ah oui. Oui, faites gaffe. Attention, vous en mettez partout là. C'est attention. Pour les filles, ça, c'est Jean-Marie Gouriot dans les comptoirs de Brève. Allez, attention, Maurice. Dites donc, hein, monsieur Morzy. Prends la patate. Oui. Ça vous embête pas, vous, d'être une marionnette à la télé? Pas du tout. Du reste de ce temps-ci, je la regarde jamais. J'épluche. Ah oui, remarquez, par certains côtés, il y a des avantages. Hein. Regardez, moi, je fous rien. C'est la marionnettiste qui lave mes chaussettes. Ah, eh ben oui, c'est... Moi, j'aime pas tellement faire la lessive. Mais, après tout, il n'y a pas de raison de pas en profiter. Ah oui. Tu bouges tout ça, Véronique? Parce que, voilà, c'est mieux comme ça. Oui. Voilà. Je m'appelle pas Véronique. Hein. Ah non, pardon. Ah, il est hors. Et dedans. Moi aussi, j'aime pas faire la lessive. Hein. Mais là, c'est impeccable. Hein. Mon beau-frère dit tout le temps, t'as le pot, dit une marionnette, parce que c'est pas toi qui te torches le cul. J'avais pas pensé à ça, Marie-Laure, t'as raison. Oh, on peut pas penser à tout. Hein. Et même à penser à rien... On peut pas. Non. Eh ouais. Allez, c'est pas que je m'ennuie, mais faut quand même que j'y aille. Oui, allez. Parce qu'il faut faire les courses. Oui, oui. Et je dois faire cuire les poireaux. Allez, au revoir. Monsieur Morzy. Oh, dis au revoir, Maurice. Oui, oui. Au revoir et à bientôt. Faites attention. Salut, patron. Au revoir. Et dire qu'on les paye pour faire ça. Live. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. En tout cas, je constate une fois de plus que vous êtes de plus en plus nombreux devant votre téléviseur. Merci à tous de votre fidélité, ça nous fait chaud au cœur, car c'est vrai qu'on se défonce le cul tous les jours pour vous faire rire, en tout cas, pour vous faire oublier vos ennuis quotidiens.
La guerre du Golfe éclaterait entre le 21 et le 27 novembre. C'est en tout cas ce qu'a prédit la célèbre astrologue Elisabeth Tessier. Samedi prochain, c'est le 24 novembre. Il y a donc de fortes chances que la guerre éclate, comme ça en pleine émission, en direct live. Alors si cela se produisait, il est bien évident que nous ne changerions en rien nos programmes. Ça, rassurez-vous, nous ferions comme si de rien n'était et soyez sûrs, vous serez les derniers informés. Cela étant dit, et pour l'heure, nous allons retrouver Jean-Louis Aubert & Co. pour le second morceau de l'émission intitulé « Le Grand Saut ». Jean-Louis Aubert qui est là, derrière, avec son groupe & Co, l'orchestre et Jean-Louis. Bonne soirée.
doit aller y avant. Oui, allô. Oui. Secrétariat personnel, je monte. Je vais écouter. Oui. Quelle date? Juliette? Lundi. Je ne peux pas. Je suis à Ah, ça va pas être possible, monsieur Junior. Je tourne dans 3 semaines, tu vas voir. En repérage, je vais l'attacher de dans 3 semaines. Bon, moi, Juliette, je ne peux pas mixer Banania mercredi. Il faut que ça se dise. De presse, voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. J'ai merdé. Comme à la planète. Oh là là. D'accord, merci. Overbook. C'est marrant de voir cette boule. Petite boule, et penser qu'on est là à trottiner dessus comme des fourmis sur un noyau de pomme. De pêche, parce que pomme, ça a des pépins. Pareil, poire. Regarde-moi ça. Là, l'Amazonie qui s'en va en fumée. Le poumon de la planète quand il pense. Ouais. La couche de l'atmosphère, là. La couche d'ozone. Couche d'ozone, ouais. Et partout, c'est le bazar. Regarde. Là, ici, c'est bientôt la guerre. Là, c'est la guerre. Là, c'est la guerre. Là, ça se déchire. Là, on torture. Là, c'est l'apartheid. Et moi, je suis là. C'est dingue quand on y pense. Qu'est-ce qui a mis une crotte de nez sur ma frange ? Dominique. Viens ici. Salut monsieur. Bonjour monsieur. Ça va? Oui. Je voudrais une paire de chaussures en croco, c'est pas possible. Oui, les chaussures, voilà. Regardez, voilà. Voilà. Vous voulez le cirage avec? Non. Hein? Non, je voudrais la petite pendule plaquée or là, puis aussi le cadre de Marrakech avec la lumière qui s'allume à l'électricité autour, c'est pas possible non plus. Marrakech? Oui, bien sûr. Vous voulez que je l'amène à la maison? C'est possible aussi? Oui, bien sûr, oui. Et si je te demande en plus des cacahuètes, oui. Le costume bleu là qui est joli, et que je te paie plus tard, tu vas pas me dire que c'est possible. Oui, bien sûr, voilà. Regardez. Vous allez faire la signature, voilà. Et ça, c'est cadeau, ça me fait plaisir. Pour moi? Oui. La sincère, si possible. C'est fort, c'est là. Oui. C'est vrai. Salut, monsieur. Monsieur, bonjour. Ça va? Vous désirez? Je voudrais 1 litre de lait demi-écrémé, s'il vous plaît, longue conservation. Oui, j'en ai plus, monsieur. Regardez au fond du magasin, il y a du lait en poudre. Et si je te prends la photo de Raymond Barre, là? La paire de chaussettes en main et puis la scène de chasse en Bavière, qu'est-ce que tu me dis? Vous tutoyez tout le monde? Alors, les chaussettes sont à vendre, monsieur. 8,50. Vous les prenez? Non. Et si je te demande de me livrer tout ça à la maison et que je te paye plus tard, tu vas pas me dire que c'est possible? Pas de livraison et pas de crédit, monsieur. Les bons comptes font les bons amis. Est-ce que vous prenez les chaussettes? Robert Tripou, c'est possible. Alors? Sont forts, ces Français. Oui, et on lave son linge sale en famille. Bonsoir et bienvenue à Éteindez la lumière, commencez le cinéma, votre émission préférée sur le cinéma. Éteindez la lumière, commencez le cinéma est une émission différente. Nous ici à Éteindez la lumière, commencez le cinéma, nous ne parlerons pas de la même chose qu'à projeter la projection. Non, à Éteindez la lumière, commencez le cinéma, nous allons au fond des choses, au cœur de la création. Nous n'effleurons pas seulement le sujet, comme à Plus vite le film ou bien à J'ai raté le début, qu'est-ce qu'il a dit? Non, ici à Éteindez la lumière, commencez le cinéma. Mais je ne vous en dis pas plus pour vous laisser la surprise. Regardons tout d'abord un extrait de film de cinéma Top Télécinéma. Allô, oui, j'écoute. Elle est au cabinet. Alors, vous avez été sûrement comme nous
totalement époustouflé. C'est vrai, il y a des gens qui sont tout à fait époustouflés par l'image donc du téléphone qu'une main décroche. Formidable mise en scène d'un téléphone qu'on décroche. Et vous vous dites, mais qui règle au millimètre ces extraordinaires effets normaux? Eh bien, je vous demande de l'applaudir. Il est avec nous ce soir, Gérard Tronot. Gérard. Je me mets là. Oui, asseyez-vous ici. Nous avons préparé pour vous cette chaise exprès, cette chaise normale. Cette chaise tout à fait normale. J'ai rarement vu une chaise aussi normale. Oui, hein. Mais elle me dit quelque chose. Elle vous dit quelque chose? Oui. Eh bien oui, c'est vous-même qui l'avez fabriquée pour la Tour Infernale. Quand au début, le héros s'assoit pour prendre un café, c'est cette chaise. C'est celle-là que j'ai. Eh oui, c'est celle-là. Vous avez réussi à... Je suis très ému de m'asseoir sur cette chaise Ça normale. Ça nous fait plaisir. Alors, Gérard, on ne vous présente plus. Vous êtes le plus grand spécialiste mondial des effets normaux. Non, mondial, c'est un bien grand mot, vous savez. Je dois quand même saluer mon maître... Jim Murray, qui lui a fait récemment tous les effets normaux de l'Arme Fatale 2. C'est lui qui a ouvert toutes les portes dans l'Arme Fatale 2. C'est quand le chef de la police taille son crayon, c'est aussi Jim Murray. C'est vrai. Quand Mel Gibson ouvre le frigo, c'est aussi. C'est encore lui. Jim Murray. C'est un film truffé d'effets normaux. Oui, mais bon. Enfin, ce sont les Américains. Ce sont les Américains. Votre modestie nous touche, mais vous avez quand même fait Mad Max. Je lis ma fiche, ce qu'on disait de vous à l'époque. Gérard Tronot a atteint dans Mad Max la perfection de son art quand le héros met ses chaussettes, que de technique dans la mise de la chaussette. Hein? Oui. Oui. Bah oui. Vous savez comment sont les journaux, vraiment. Moi, je me contente de faire mon métier le mieux que je peux, comme un artisan. Je suis un artisan. Quelle modestie pour un génie. Alors, pour bien montrer votre travail, nous sommes allés tourner une petite séquence, un making-of, comme on dit. Vous répétiez une scène pour Je crois que c'était. Vous êtes venu sur Joshua 28, les tueurs de la nuit. Les tueurs de la nuit, tout à fait. Oui. On regarde. Alors là, au moment où on en est, donc, toi, tu finis de couper la tête de Cynthia. Hein? Elle hurle. À ce moment-là, Jack, tu te sauves. Et toi, tu le poursuis avec la hache. Et là, on coupe. T'as compris? Oui. T'as compris. Non, parce qu'il n'y a pas de honte à demander si t'as pas compris. Ah, mais j'ai compris. T'as compris? Oui. Alors, on y va. Allez, moteur. Joshua 28, troisième. Action! Bien, monsieur Tronot, c'est à vous, donc, là, maintenant. Oui. Silence, s'il vous plaît, on ne peut pas travailler comme ça. Donc là, c'est à ce moment-là que ça se situe. C'est ça, voilà. Donc, vous pouvez me le refaire? Gérard, vous pouvez commenter sur les images, bien sûr, si vous voulez. Oh, bah, écoutez, je crois que les images parlent d'elles-mêmes. C'est... À ce moment, oui, si vous voulez, c'est un moment de préparation, quoi, vous voyez. Oui. Il ne faut pas que la poignée dérape. J'ai un petit peu houspillé mon assistant, qui est un garçon charmant, mais qui avait laissé un peu d'huile sur la poignée. Là, c'est quand c'est le moment, il faut vraiment du silence. Ouais. C'est quelque chose de... Comment ça se passe? Là, je réclame le silence. Vraiment, c'est ça. Et après, je suis même un peu irritable. Oui, c'est normal. Parce que, vous voyez, on voit, je pas très sympathique. Là, mais... Vous avez l'air très surtendu. Oui, voilà. Là, il faut que ça aille très vite. Là. À partir du moment où tout est prêt, il faut que ça aille très vite. On peut le faire deux fois, pas plus. Voilà. Là, ah ouais, super. Ouais. Très, très impressionnant. C'est très fort. J'ai beaucoup de tendresse pour cet effet-là. Ouais. Je dois dire que... Combien de temps ça prend pour, par exemple, préparer un effet? Trois semaines. Il faut trois semaines. Pour un effet, enfin, quand j'étais plus jeune, je mettais deux semaines, mais maintenant, j'ai un peu d'arthrose dans la main. Ouais. Les Français, eux, mettent trois semaines, quoi. Les Américains, on n'est pas les Américains. Non, mais enfin, on n'en est pas loin. Comment ça se passe? Vous êtes seul? Est-ce qu'il y a une équipe? J'ai mon assistant et j'ai surtout toute l'équipe qui travaille avec moi, que je salue au passage. On les salue. Sans l'équipe, je ne serais rien. Alors, Gérard, vous nous avez préparé une petite surprise. Oui, vous m'avez demandé de faire en direct. C'était toujours un petit peu... Quelques effets normaux, je vais vous en montrer. Excusez-moi, je tombe alors, la veste. Vous vous excuserez s'il y a des imperfections. Oui. Alors, donc, effet normal numéro 1, quand vous voulez, Gérard, c'est du direct live. Attention, vous êtes prêts, là? Vous cadrez bien, s'il vous plaît. Cadrez bien, monsieur. Voilà, plus, attention. Vous avez reconnu? Non. Vous n'avez pas reconnu? Hein? Apocalypse Now. Marlon Brando. Marlon Brando, la sueur de Marlon Brando. Bravo. Ouais, effet normal
Effet normal numéro 2. Il y en a un autre. Attention, vous êtes prêts? Cadré? Cadré? Là. Attendez, c'est allé très vite, on peut le revoir? Oui, on peut le revoir. Je vous le refais. Hein. D'accord. C'est pas facile, hein? Bah, non. Pensez à tous les accessoires. Vous avez reconnu? Ah, c'est... Le jour le plus long. Le jour le plus long. Eh oui, bien sûr. Le doigt de... C'est le doigt de John Wayne. C'est le doigt de John Wayne sur la carte de France. Donc voilà. Le doigt du Duke, c'était vous. Absolument. Formidable. Oui. Alors, le troisième effet normal, c'est un petit peu une première. Oui, bah, non, c'est un effet que je suis en train de travailler, de répéter, puisque je vais entreprendre cet été un film qui s'appelle « Tueur dans le cosmos », je crois, avec Sean Penn. Enfin, les titres changent souvent. Bien sûr. C'est une scène où le tueur prend son petit déjeuner. Moi, j'assure toutes les cascades de confiture. C'est mon fils qui, lui, se charge de tout ce qui est tartine beurrée. Il n'est pas là parce qu'il s'est brûlé avec un grille-pain, mais... Il va sortir très vite de l'hôpital. Donc bon, on lui fait un petit coucou. Et donc, voilà, c'est une ouverture de... C'est une ouverture c'est de pot de confiture. C'est une ouverture de confiture, voilà. D'accord. C'est bien cadré. C'est une chose qui n'a jamais été faite en direct. Et... Attention. Hein. Vous êtes prêts? Prêt. Non. Oh, la dame, putain, merde. Désolé, là, vraiment. Putain. C'est la première fois que je rate un effet normal. Vraiment, je suis... Il faut que ce soit à la télévision, vraiment. Vous êtes pas blessé, au moins? Non, j'ai de la confiture sur le doigt, là. Je vais vous emmener au lavabo. Oui. En tout cas, ça vous prouve peut-être vraiment là que le métier de Ah non, il n'y a pas de trucage. Oui, pas de trucage, c'est parfois désolé, dangereux. Ça bon, va. Et comme dit mon père, vraiment, l'effet normal, c'est la Rolls du normal. Mais... Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci, oui, Gérard. Ah bah oui. À la semaine prochaine. Merci d'être resté avec nous. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Merci beaucoup, Gérard. Merci. Bien, j'ai une bonne nouvelle, j'ai trouvé un bruteur. Merci d'avoir passé cette soirée avec nous, on s'est bien amusé, j'espère que vous aussi. C'est fini, rentrez chez vous! C'était Les Nuls, l'émission numéro 6! Avec Jean-Louis Aubert Anto. Avec notre invité surprise, Yves Bourouzi. Et avec l'overbooké hyperactif, le débordé Gérard Jugnot. La semaine prochaine, Les Nuls, l'émission numéro 7, ce sera avec Carole Laure et la Mano Negra. Et sur ce, comme chaque semaine, la voix off vous souhaite une excellente fin de soirée.